Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a été reçu par le ministre de la Santé, professeur Léon Zouba. Eh bien, il a été question de faire le point sur la caravane ophtalmologique débutée le 21 avril dernier. Pélagénie. Avec la délégation chargée d'organiser et de suivre la caravane d'ophtalmologie qui a débuté hier, il était question de faire le point au ministre en charge de la Santé. Selon les initiateurs de ce projet, les équipements sont suffisamment efficaces pour la prise en charge de plus de 4000 patients enregistrés. Donc l'ONG intervient dans plusieurs hôpitaux, particulièrement dans les hôpitaux. Ils ont des hôpitaux qui sont spécialisés dans la lutte contre la cécité. Donc ils ont environ 37 hôpitaux actuellement. Ils font des caravanes médicales. Maintenant, ils ont dépassé 1500 caravanes médicales. Ils interviennent dans 42 pays, pays arabes, pays africains et en Asie également. Et ils sont heureux que le Gabon fasse partie des pays. Ils ont amené avec eux des appareils sophistiqués dans ce domaine-là. Au cours de cet entretien, les discussions étaient précises, toute chose qui a permis d'évaluer le travail sur le terrain. Depuis deux semaines, les campagnes de sensibilisation et d'inscription sont bien effectives dans les différents sites retenus, notamment l'hôpital d'Angondje, Dunkembo et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Les patients ont droit aux soins gratuits du 21 au 26 avril prochain à l'hôpital de Melaine.